Ce dimanche 31 mai 2015, jour de la fête des mères, Monique Thibert, 65 ans, quitte son village de Hauteville-Lompnes pour prendre la route à bord de sa Toyota. Direction les Hautes-Alpes, la région d'Embrun. Elle doit y retrouver dans un gîte une bande d'amis pour une semaine de balade et de randonnée dans cette région qu'elle connaît bien. Monique Thibert, qui a eu 3 filles et a perdu son mari, est une retraitée sportive qui fait plus jeune que son âge, une marcheuse chevronnée, une bonne skieuse et une femme active impliquée dans de nombreuses associations, élue au conseil municipal. Après une route tranquille et une nuit passée à Embrun, Monique et ses 5 amis décident le lundi 1er juin d'arpenter un sentier qui mène au sommet du Grand Morgon, au-dessus du lac de Serponçon. Un itinéraire bien connu des promeneurs, pas forcément dangereux, mais qui demande toutefois une bonne condition physique. Le groupe garde sa voiture non loin de l'abbaye de Boscodon, marche sans encombre jusqu'au sommet pour y déjeuner, puis décide de rentrer. Le même parcours en sens inverse. Monique, survêtement Adidas noir, t-shirt à manches courtes et casquette rouge, marche en tête. Elle est trop loin pour savoir que le groupe a fait derrière elle une halte. Il est 14h30, le temps est idéal, elle continue à marcher. On ne va plus la revoir. Parvenue au parking du Grand Clos, le groupe de randonneurs a la surprise de ne pas y retrouver Monique. Son téléphone ne répond pas. Aucun promeneur qui débouche alors du chemin ne l'a aperçu ou n'a trouvé quoi que ce soit sur le trajet. La gendarmerie de haute montagne est alertée. Les premières recherches, interrompues à la nuit, ne donnent rien. Elles reprennent le lendemain en présence des filles de la disparue accourues précipitamment dans la région. Un hélicoptère survole le secteur sans repérer quoi que ce soit. Des volontaires, parmi lesquels une équipe de pompiers de Hauteville-Lompnes, la commune de Monique Thibert, se joignent aux recherches, mais la densité de la forêt, ses escarpements, ne facilitent pas leur tâche. La disparue était une femme parfaitement bien dans sa peau, nullement dépressive, pleine de projets. Autant dire que la thèse du suicide n'est pas retenue. Les gendarmes pensent évidemment à un accident, mais dans ce cas-là, comment expliquer que Monique est dévissée au point qu'on ne retrouve rien d'elle et qu'on ne puisse même pas géolocaliser son téléphone? Il apparaîtra plus tard que le chien de recherche Saint-Hubert, amené sur place, a suivi une piste que la retraitée n'aurait pas dû emprunter alors qu'elle connaissait parfaitement les lieux. Bonsoir Annick Aubert. Bonsoir Jean-Alphonse. Vous êtes la sœur de Monique Thibert, dont on vient de raconter la disparition. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir cette invitation à l'heure du crime. Alors, dès le départ, Annick Aubert, vous et les filles de Monique, vos nièces, vous écartez vraiment la piste de la disparition volontaire. Pourquoi vous l'écartez, cette piste? On l'écarte complètement parce que Monique n'était pas du tout suicidaire, ni fugueuse, ni d'envie de partir. Elle a 7 petits-enfants, donc 3 filles, je dirais. Elle est attachée à sa famille, elle était dans des milieux associatifs, elle était au conseil municipal d'Hauteville. C'était pas du tout dans son caractère. Non. Alors, elle n'est pas suicidaire, on le comprend bien. Un accident, vous pouvez tout de même l'envisager, cette hypothèse? Écoutez, c'était pas dans son... Elle cherchait pas le danger. Hein. C'était pas quelqu'un qui allait se mettre en danger. Hein. Il n'y a pas de quoi dangereux, mais que bon, qu'il y ait des falaises. Mais bon, il faut vouloir déjà aller au bord des falaises. Ouais, il faut chercher la dangerosité. Après, est-ce qu'elle s'est un petit peu écartée, peut-être pour, je sais pas, pour faire pile-pied, je sais pas. Nous, on est vraiment, on n'a rien. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Hein. On ne la revoit plus, oui, parce que, en fait, en bas du pic du Morgon, il y avait des personnes qui étaient assises là et qui ne l'ont pas vu passer. Donc, si elle a disparu, c'est dans un endroit bien précis. Mais bon, là, on va peut-être refaire des recherches. Hein, il y a des choses assez précises. Il y a des gens qui ne l'ont pas vu passer. Donc, entre le moment où elle a disparu, il va falloir qu'on ratisse de nouveau là-haut. Il va falloir effectivement que vous repartiez sur place. C'est ce que vous nous dites ce soir dans l'heure du crime. Alors Annick Aubert, évidemment, on ne peut pas ne pas en parler. Il y a cette hypothèse qui est sans doute la plus sombre. C'est celle de la mauvaise rencontre, la piste criminelle. Est-ce que vous y pensez en famille ou pas du tout? Ah oui. Il y a peut-être quelqu'un là-haut, un serial killer qui fait... Je ne sais pas, parce que c'est quand même... Si vous regardez bien les personnes qui ont disparu, c'est quand même des personnes qui
sont toutes les trois bien ressemblantes, hein, parce que même moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit on dirait des sœurs. Voilà, je veux dire, on est quand même interrogatif. C'est bizarre. Voilà, personne disparaît et on ne retrouve pas de corps. Donc, voilà.